Eh ben lui, rentre chez toi, parce qu'on va te faire du mal. On est tous à deux doigts de te coller des mandales. De tous les présidents, j'ai connu des crevures. Mais le haut du podium, il est pour toi, c'est sûr. Mais où est-ce que tu te crois, ta réforme des retraites? La CGT, la CFDT et Force ouvrière. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est toujours non. Espère-t-il que cette mobilisation qui persiste finisse par s'émousser afin qu'il puisse passer à autre chose? C'est ne pas mesurer l'état de la situation, ne pas mesurer que la jeunesse, les étudiants ont pris toute leur place dans le mouvement. Autant pour défendre leurs revendications, leurs droits aux études, que leurs conditions de vie et celles de l'avenir que ce gouvernement leur réserve. C'est ne pas mesurer notre détermination, notre unité, notre force, alors que le président Macron se retrouve isolé, avec 4% de la population qui lui est favorable, quand plus de 60% de celles-ci comprennent et soutiennent ce combat pour le retrait de la réforme. Demain, le Conseil constitutionnel se prononcera. Rappelons qu'il est un des rouages des institutions qui ont permis, à coup de 47-1 et de 49-3, d'imposer la réforme sans vote. L'État comprime et la loi triche. Cette réforme des retraites reste brutale, injuste, inacceptable. Demain, un rassemblement est appelé à 12h devant la préfecture. Soyons-y nombreux. Macron, ta réforme, on n'en veut pas. On veut le respect de nos droits. Ne lâchons rien. Je vous remercie. Ouais. Le lundi, la borne est là, tout en doudoune et tout en joie. Avant samedi, elle nous aura refait le coup du 49-3. Elle aime ce nombre, elle saura tout va, plus vite que son ombre, chaque fois. Quand elle l'enclenche, elle devient étanche. Avec cette meuf, c'est pas la teuf. Et pour que ça rentre, elle vise le centre. Dès que l'opposition hausse le ton, comme c'est bizarre, ce qu'elle brandit là, c'est long et étroit, oh, c'est le 49-3. Oui, comme c'est bizarre, ce qu'elle nous sort là, c'est si long, c'est quoi, oh, c'est le 49-3. Si pour le mondial elle avait pu, elle l'aurait sorti une fois de plus. Les bleus auraient gagné sans rien faire, alors pas de pleurs dans les vestiaires. Et le coach Macron n'aurait pas fait le con à ramener sa fraise et créer le malaise. Oui, mais aujourd'hui, la Cornella, elle l'a partout. Et même dans son lit, il paraît qu'elle l'a, car elle aime beaucoup son 49-3. Elle y trouve son compte quand elle vacille, elle est toujours prompte à le prendre pour béquille. S'il est endormi, il ne bronche pas, mais il réagit dès que la borne est là. Notre mère Fouettard n'a qu'à le titiller, et ça met le bazar à l'Assemblée. Mais on l'a trop vu, ce 49-3, jamais autant vu depuis qu'elle l'a. Et on n'en peut plus du 49-3. Oui, on l'a trop vu, et à cause de ça, on l'a souvent eu